Salut la compagnie, c'est Zobook. Aujourd'hui on va parler d'une longue-vue SV Boni, le modèle SV28. C'est celle qui a le grossissement qui commence à 25 jusqu'à 75 fois. J'ai filmé donc à la réception du colis donc le déballage. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, donc je vais vous le mettre maintenant. Et puis comme ça fait quelques jours que je l'ai et que je le teste, eh bien on se reprend tout de suite après à cet endroit pour que je vous apporte ma conclusion. Ouh, ce petit sirop de menthe maison est excellent. La menthe du jardin, c'est hyper simple à faire. Il fait une chaleur écrasante. On est là, au calme, entre nous. Bienvenue dans mon jardin. J'ai reçu ce gros colis par la poste aujourd'hui. Ça a pris à peu près 3 ou 4 jours. On va ouvrir ça ensemble. Bon, évidemment, je sais ce qu'il y a dedans, hein, logique. Ok. Donc, on va ouvrir ça sur le côté. Tadam ! SV Boni. Alors, j'espère qu'il y aura tout dedans. Parce que normalement, il y avait un petit accessoire. Hop ! Qui est en option. Alors, peut-être qu'il est dedans. Peut-être qu'il arrivera plus tard. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc déjà, on a un trépied. Simple, mais ok, tout en métal. Je préfère le métal que le plastique. Simple, mais correct. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Et qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche? Bon, la sacoche, par contre, c'est du nylon tout simple, hein. Rien d'extraordinaire. Fermeture éclair. Et on a une lunette longue vue. Est-ce qu'il y a le petit accessoire? Non. Il n'y est pas. Alors ça, c'est quoi? Un truc pour essuyer. Ok. Donc, à mon avis, ça viendra plus tard. Alors, c'est un accessoire en fait qui permet de fixer son smartphone sur l'oculaire pour pouvoir prendre en photo ce dont on est en train de voir. Oh, la texture! Oh, dis donc! Ah, on dirait une peau de bébé. C'est hyper doux. Donc, on a ici, c'est un pare-soleil. Voilà, pour pas être gêné par la forte luminosité qui viendrait sur le côté. Ok. Donc, est-ce que c'est bien le modèle que j'ai choisi? Oui. Donc, c'est un grossissement qui commence à 25 fois et qui finit jusqu'à 75 fois. Avec un diamètre de la lentille de 70 mm, donc 7 cm, faut pas moins. Je crois qu'il y a des versions qui existent en 60, c'est trop petit. Il y en a une aussi en 80, mais par contre qui ne commence à 20 fois et qui termine à 60 fois, c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Voilà. Hop. Ah oui, chose importante, c'est étanche à l'eau, c'est mieux parce qu'il y a du gaz à l'intérieur. Donc pour que le gaz ne s'échappe pas, il faut que ce soit vraiment étanche. C'est évidemment ça, il n'y a pas de poussière qui peut rentrer, parce que de toute façon si le gaz sort, tout peut rentrer, de toute façon l'eau, la poussière, donc c'est logique. Donc s'il y a du gaz, c'est que c'est vraiment bien étanche. Par contre la luminosité, c'est hallucinant quoi. Ah ouais, je vais faire la mise au point. Ah ouais, ça marche super bien. Ah, j'en reviens pas. Franchement, ah au fait, si vous n'avez jamais entendu parler de SV Boni,
Le petit V de SV Bunny ressemble beaucoup au V de Retevis. Alors du coup, j'ai posé la question parce que il s'agit bien en fait de la même entreprise. Simplement, c'est la branche optique. Alors que Retevis, c'est la branche radio. Mais il s'agit du même groupe, de la même structure, de la même boîte, c'est les mêmes dirigeants, les mêmes employés. Voilà. Donc en fait, c'est un gage de très bon rapport qualité-prix. Enfin, tout le monde le sait. Parce que des lunettes comme ça, bien sûr, il existe des lunettes de meilleure qualité, sauf que c'est 10 fois plus cher, voire encore plus. Puisque en général, pour avoir une lunette correcte, avec un bon grossissement, une bonne luminosité, il fallait compter 700 euros. C'est cher. Alors que celle-ci fait 70 euros. 70 euros, donc 10 fois moins cher. C'est tout simplement quand vous êtes au stand et que vous tirez à 100 mètres ou plus, eh bien, vous ne pouvez pas voir les impacts de balles. Et même avec la lunette fixée sur votre fusil, parfois, c'est pas suffisant. Donc, imaginons, je tire avec ma lunette qui fait 8 fois à 150 mètres. Ben, je ne vais pas pouvoir contrôler mon tir. Il me faudra ce type de longue vue pour pouvoir donc regarder. En plus, donc c'est un angle à 45 degrés. On peut l'incliner si on a un autre trépied que celui-ci, parce qu'il existe des modèles avec une bague et on peut le tourner comme ça. Ça, c'est bien. Donc comme celui-ci, le pas de vis est fixe ici, et du coup il faudra utiliser donc un trépied qui permet donc d'incliner la lunette. On peut voir trois impacts ici et deux là. Donc j'ai tiré 5 fois. Donc là, il y a un très beau groupement. Donc pour ceux qui se posent la question, le petit adaptateur, je l'ai reçu le lendemain. Donc c'était en deux colis séparés. On va en reparler parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Donc la qualité de ce produit et par rapport à son prix est plutôt très bon. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas mettre plus de 70 euros, restez là-dessus, vous en serez content. Si vous avez la possibilité de mettre le double, il y a d'autres modèles. Le SV13, qui est pas mal, vraiment pas mal. Et après, il y a des modèles comme le SV401, mais il faut faire attention parce que le prisme n'est pas le même. En fait, ils ont deux prismes. Le prisme, c'est ce qui permet de faire la réfraction de la lumière, etc. Pour avoir une bonne définition d'image, une bonne netteté, avec du piqué. Alors, c'est sûr que c'est pas une paire de jumelles, donc on voit pas en 3D, on n'a pas les deux yeux, mais pour un monoculaire, c'est quand même assez bon. Donc là, on est sur tous les modèles du SV28, on est sur le BSK4. BSK4, ce prisme est meilleur que le BSK7. Donc il faut le savoir, parce qu'intuitivement, moi au départ, je me suis trompé. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai vu des études, et en effet, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, le BSK4 est bien meilleur. Donc, je pense que tout l'argent a été mis dedans. Et puis ce joli revêtement très doux au toucher. Par contre, au niveau définition, c'est pas ouf. Je ne reproche pas au trépied le fait d'être petit, c'est ce qu'on lui demande pour un stand de tir.
pour de l'observation ornithologique comme aujourd'hui, il vaut mieux des trépieds un petit peu plus grands. Jusqu'à 1m50, 60, c'est bien. Il faut qu'il soit lourd, parce que quand on grossit beaucoup, le moindre petit tremblement fait que on ne voit pas l'image. Non, là où je suis un petit peu déçu, c'est au niveau des finitions, comme par exemple le sac. Qu'est-ce que ça aurait coûté de mettre de la mousse pour rembourrer, pour éviter la casse en cas de chute? Même à 1 mètre, je suis sûr que à 1 mètre de hauteur, vu qu'il n'y a pas de rembourrage, la lentille se casse ou le verre se casse à l'intérieur, j'en suis presque certain. Après, au niveau du cache, là, c'est à peine ajusté. Ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit. je ne sais pas si ça tiendra encore d'ici plusieurs mois. Par contre, le pompon, c'est ça. C'est au niveau donc là de l'œilleton. Non, c'est, je ne sais même pas si c'est adapté. En fait, c'est. Enfin, regardez quoi. On est en 2022. Ça, moi, ça passe pas. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc le trépied, vraiment trop léger. Bon. Moi, en fait, mes tests, ils sont objectifs. Je remercie SV Bonny de m'avoir offert cet appareil-là. J'en avais en plus besoin, donc c'est cool. Merci à eux. Après, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de mettre le doigt sur certains détails plutôt négatifs. Donc il y a moult modèles, mais moi je conseillerais quand même plutôt que de prendre celui-ci, prendre celui qui a donc le diamètre 80 mm, grossissement qui commence à 20 fois, c'est mieux pour trouver sa cible, parce que 25 c'est déjà un peu beaucoup, jusqu'à 60 fois. Donc peut-être qu'il est, je sais pas moi, 10 euros plus cher, mais c'est pas grand chose. Je pense que c'est mieux parce que réellement, moi au niveau du grossissement à 75 fois, c'est moins lumineux, c'est que c'est plus flou. Et on a quand même une bonne luminosité et une bonne netteté jusqu'à 60. Donc jusqu'à 75, ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux des fois zoomer un petit peu moins pour avoir un piqué d'image beaucoup plus net. Donc c'est mon avis. Je pense pas que ça soit le meilleur des modèles. Je pense qu'il vaut mieux mettre peut-être 10 voire 15 euros de plus pour avoir celui qui a une lentille un peu plus grande. Et même si le grossissement s'arrête à 60 fois, je pense que ça vaudra plus le coup. Et puis il faut vraiment qu'il fasse des efforts sur ce petit sac là qui est ridicule, et puis faire quelque chose d'ajusté pour ça. Alors ça, je disais qu'on allait y revenir. Je me suis levé quand même à 3h du matin il y a quelques jours pour vous prendre une photo de la lune. Alors je vais vous mettre la photo que j'ai réussi à obtenir, la meilleure photo que j'ai prise en une demi-heure. Je vous la montre maintenant. Peut-être que vous la trouvez correcte, mais dans la réalité c'est nul. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce que moi je voyais. Vraiment, le fait de prendre une photo avec un téléphone portable, peu importe sa caméra, ça fonctionnera jamais correctement, c'est pas possible. Et au niveau du temps de réglage, ça se mettait tout le temps sur le bouton on-off de mon téléphone, il s'éteignait, etc. Les micro-tremblements, quand vous appuyez sur le smartphone, il faut mettre le retardateur 5 secondes pour que les micro-tremblements s'arrêtent au bout de 5 secondes et que la photo se prenne toute seule sans que vous ayez... Donc ça, le retardateur, c'est obligatoire. Je pense pas que je vais le réutiliser, je le garde pour le secours au cas où, on ne sait jamais. Mais j'avoue que j'ai eu au moins 10 fois l'envie de le mettre à la poubelle de rage, de colère. Voilà, c'est faut savoir. Et puis surtout, il faut enlever ça. Il faut le régler comme ça. Tac, vous mettez votre smartphone, c'est un peu de travers. Dès que vous voulez zoomer, hop, il faut recommencer le réglage. Non, il doit y avoir des choses beaucoup mieux que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le lien est dans la description, directement sur leur site. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était The Book. Ciao !